Hey tout le monde, c'est Mouki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 3 du coup de notre let's play sur écologie. Toujours pas de nom, effectivement. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je lance le chronomètre, c'est parti. Le chronomètre, enfin oui effectivement on peut l'appeler comme ça. J'ai avancé de 3 jours encore. On est passé donc du coup en automne. Mais les votes sont ouverts. Enfin, c'était le truc que je cherchais. Je crois que c'est tous les 3 jours qu'il y a. Du coup, maintenant je le saurai. Par contre, il faudrait peut-être que je trouve aussi l'emplacement. Ah voilà, c'est ici. Donc on va tout simplement pouvoir venir déposer une demande d'approbation de 10 points d'influence. On va déjà faire ça. Je sais pas trop si ça va l'enlever ou en bailler comme ça, j'espère. Ok, je crois que c'était pas une bonne idée. Vas-y. C'est pas très grave, on va arrêter la procédure pour ça. Et après, on va du coup pouvoir venir voter. Et on va en ajouter un. Production d'énergie propre, on va en mettre plusieurs. Hein. Bon, du coup, on a plus que 23 points, il va falloir qu'on invite tout le monde sur le terrain pour qu'on rediscute et qu'on regagne des points. Du coup, on va... invite à venir sur le terrain actuel. Bon, sinon, ce qu'on va faire, donc, allez. On va aller avec Tina, du coup, quelque part. Très bien. Donc, soit on va ici, mais nous, c'est là où on a l'habitude d'aller. Soit on va aller ici. Mais ce serait bien qu'on fasse un plan d'action pour ça. C'est qui a emménagé là? Mais s'il te plaît, c'est mort, gars. Sérieux. Ah, m'énerve. Bon, ok, super. On va là. Je vais la virer l'autre, vous inquiétez pas. Mais je suis en train de penser, c'est le dernier. Techniquement, c'est censé être le dernier épisode. Peut-être que je vais en faire 4, je sais pas. Parce que là, je suis en train de m'amuser à tous les faire. Du coup, peut-être qu'il y en aura 4. Je sais pas trop, vous verrez. Vous aurez la surprise dans une semaine. Voilà. Très bien. Donc, on vient d'arriver. Déjà, on va papoter avec Tina. On veut gagner des points. Des points d'influence, là, on en veut. Convaincre de soutenir le projet, du coup, celui-ci. Quoi? Mais dis donc. Ah, attends, niveau 2 de la compétence logique. Est-ce qu'on n'aurait pas... On n'a pas d'échiquier ici. Il va falloir qu'on aille dans un endroit où il y a un échiquier. Attends, le niveau 2 de la compétence bricolage également. Oh my god, ici ça a changé! Les gars, regardez-moi cette gare, elle est trop belle! Très bien, donc juste ce qu'il va nous falloir, c'est très bien qu'on ait un échiquier du coup, pour faire la compétence logique. On va pouvoir jouer avec Tina, voilà. Très bien, donc c'est terminé, dès qu'on aura fini notre partie, on ira du coup fabriquer des choses, quoi. Parce qu'on va en avoir besoin, hein. Bah ben, le bricolage. Manier le marteau pour planter des clous n'est pas une tasse de thé pour Émilie. N'aime pas le bricolage? Oui, elle aime pas le bricolage, ok. Il nous reste plus que 20 minutes et franchement, on est dans le mal. Et yes, c'est terminé. Voter pour un projet d'espace communautaire. Oui, oui, oui. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de points d'influence. Mais jardin communautaire, c'est ce que j'aimerais. On va lui demander, est-ce que tu veux bien voter pour... le jardin communautaire. Oui, super. Ok, bon, bah Tina a décidé de partir. Et lui aussi? Très bien, d'accord. Bon, bah on va rentrer chez nous. Très bien, donc on vient de rentrer chez nous tout simplement. On va tout de suite aller regarder la télé. Et après, je pense en vrai, il est... Bah s'il est tard, du coup on va attendre le lendemain matin pour pouvoir faire quelque chose, hein. Mais voilà, oh trop stylé, vraiment j'aime trop cet appart, très bien, donc elle a fini, elle se sent vraiment super, en pleine forme, peut-être qu'on pourrait avoir des recherches sur l'écologie, pourquoi j'ai un cadre ici? Pourquoi est-ce que j'ai un cadre ici? Ah mais il devait y en avoir un là je pense, du coup je vais le mettre là. Voilà, on va aller quelque part, vous savez quoi, on va aller du coup faire de la pétillerie, et on va demander quand même à Kado, Tina, Minato, ok on peut, bon bah Minato s'il serait pas disponible et qu'il dort pas encore. Vous voyez, ça c'est un truc qui m'énerve quand il y a un petit écran de chargement comme ça et que du coup t'es en accéléré, que tes minutes là passent vite là. Oh. Très bien, donc on va se retrouver juste là-bas. Très bien, donc on vient d'arriver tout simplement. Donc là il y a des gens. D'accord, c'est pas... Elle ressemble grave à la Sims 7, trop moche que j'avais faite elle. Oh, il y a Bess. Bess elle est venue toute seule, on va pouvoir sympathiser avec Bess. Ok, super. Demandez comment s'est passée la journée. Oh, il y a Tina aussi. Il y a tout le monde, c'est génial. Ils sont venus tout seuls, hein. C'est trop génial. Ok, très bien. Donc nous voilà arrivés chez nous. En plus, il fait un petit peu... il fait un temps d'automne, hein. C'est quand même sympa. Donc, bref, en vrai, on a besoin de rien. On aurait pu rester là-bas, hein. Je sais pas pourquoi. Si, il faudrait qu'on appelle le... Bah si, on a les factures à payer. Très bien. Et ensuite, bah... pas grand chose d'autre en vrai, hein. Peut-être inviter Bess à venir. On va l'inviter. Ou peut-être Kado inviter. Inviter à venir sur le terrain actuel. Et on va inviter Tina aussi. Et pourquoi pas Minato. Alors, Bess va arriver.
cadeau va arriver, on va travailler depuis la maison aujourd'hui. Tina va arriver et Minato va arriver. Ok, donc très bien. Donc là, il va y avoir tout le monde chez nous. Donc là, on va pouvoir lui parler, raconter une histoire incroyable. Bon, bah, il y a Bess, on va pouvoir aussi sympathiser avec elle, parler de la température fraîche. Il y a Tina, on va tous être à table. Ah non, c'est vrai qu'il y a encore Minato, on sait pas où il est, et il n'y a pas assez de place à table, mais vas-y, c'est pas grave. Proposer un plan fou, on va avoir Minato aussi qui est arrivé, illuminer la journée. Pourquoi, qu'est-ce que tu fais chez nous là, te motiver là, mon coco? Me dis pas qu'il va prendre des restes, hein, parce que sinon ça va très mal se passer. Mais qu'est-ce qu'il fout? Non mais attendez, on est d'accord qu'il vient clairement de voler quelque chose chez nous. Non, sérieusement? Clairement, on va l'insulter, hein. Excusez-moi, il vient clairement de prendre ma petite statue blanche, hein. Je l'ai vue. Clairement, il l'a prise sous nos yeux. Et en plus, il sort les déchets. Mais quel ingrat. Clairement, espèce de... Qu'est-ce que tu fais, là? Moi, franchement, tu pars. Franchement, j'ai pas envie de lui. Méchant création, insulté, taqué de manière malicieuse, non. Sans en aller. Voilà. Clairement, Minato, c'est mort. C'est mort entre nous, je suis désolée, mais frère, il a pris... Il est venu chez nous pour nous voler notre petite statuette. Clairement. Mais c'est qui ce gars? Mais tu te fous de moi? Ça se passe très mal entre eux et franchement, je m'en fiche. Tac, il a volé quelque chose. C'est un voleur. Tu prends une douche alors qu'il y a tout le monde chez toi. Et Bess alors? On n'a pas trop sympathisé avec elle. Ok, très bien. Donc elle peut pas aller voir Bess. Là, elle a la tête dans l'étagère. Valor. Bon, il y a Cadeau, il est parti où? Cadeau, il est parti se laver les mains, ok. Bon, on va avancer jusqu'à temps qu'il soit 18h pour voir quelle action, du coup, et les changements que ça aura fait, tout simplement. Ok, donc là, vous voyez, il est 18h, et normalement, les votes sont fermés, si je ne me trompe pas. Encore ouvert, ok. Je comprends rien. Très bien, c'est pas grave. Oula. Ah, je crois qu'il pleut dehors. Ah, effectivement. Bon, c'est pas grave, on va t'amener sur une note de tempête, hein, franchement, là... Ah, c'est bon, il refait beau. Je comprends pas le temps dans les Sims. Initiative écologique, les votes ont été compatibles. Oh, yes! Trop bien! On a tout simplement support technique, promouvoir la bagarre, modernisation de la station conifère et initiative écologique à station conifère. Et si c'est pas génial, ça? Ça veut dire que techniquement... Normalement, oui! Regardez-moi ça! C'est magnifique! C'est trop trop bien! En tout cas, on va se laisser là-dessus parce qu'il reste 10 secondes, hein, et je sais même pas où est notre Sim7, hein, clairement. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Elle est là. Elle est dans l'armoire. Donc, bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura bien plu. Bon là, elle est rangée dans l'étagère, mais vas-y, c'est pas grave. Hein. On se retrouve normalement peut-être, hein. Je vous laisse un petit doute, hein, quand même, parce que voilà, moi-même, je sais pas. Mais s'il y a un 4e épisode, je pense que certains seront très très ravis. Donc en attendant, moi je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!